Gilles. Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel, c'est le Rageux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui tout simplement je vais vous montrer un glitch sur Soul Knight qui va vous permettre d'améliorer vos familiers gratuitement avec pas trop de délai. Donc je vais vous présenter ce glitch dès maintenant, mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, à la partager à le plus de monde possible, comme ça tout le monde pourra en profiter et ça pourrait arranger certaines personnes qui aimeraient avancer dans le jeu de manière rapide et facile. Donc c'est parti. Donc tout simplement, vous allez devoir choisir votre familier que vous voulez améliorer. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Ce dernier va tout simplement vous montrer donc quelle viande ou quel légume ou autre auquel il est sensible de pouvoir augmenter sa barre d'affinité avec vous. Donc moi pour le coup, là je suis en train d'augmenter le Tengu. Donc le Tengu, lui, le mini Tengu se transforme en grand Tengu de temps à autre et balance un violent coup de poing. Le délai, il est de 16 secondes. Donc maintenant, il est 68, vous allez voir ça maintenant. Donc je le valide. Je prends notre ami juste ici, voilà. Je vais là-bas, j'ai frais au préalable, j'ai pu craft de la vie ou autre. Je vais aller lui donner de cette manière-ci. Donc là, vous lui donnez. Une fois que c'est fait, vous allez juste quitter comme ça et revenir. Une fois que vous revenez, vous allez sur lui, il est toujours à 78%. Il a augmenté du coup d'une dizaine de pourcents si je ne me trompe pas. Les viandes sont de retour. Elles n'ont pas été consommées, donc vous lui redonnez 83%, 87%. Vous revenez ici, vous allez là, vous prenez un autre personnage ou le même, c'est pas grave, ça marche avec tous. Vous revenez et la viande est encore présente et vous pouvez continuer de la donner à votre familier. Ce dernier va les bouffer. 97% et voilà, vous revenez encore une fois. Alors, on va passer à la deuxième partie du glitch du coup maintenant. Donc là, ça va pas le faire parce que là du coup, il est niveau maximum maintenant, grand Tengu débloqué. On fait retour, on va ici, on prend un autre familier tout simplement. Et on va l'améliorer. Donc là, je vais prendre un autre familier qui, par exemple, peut consommer de la viande et peut être sympa. Donc je vais regarder vite fait les statistiques de chacun. Voir s'il n'y en a pas un qui peut, par exemple, m'intéresser. La sérénade, elle est déjà maxée. On va en prendre un que j'ai pas max de préférence. Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas grand monde. Bon, on va prendre Pacha. C'est pas grave, je suis désolé du temps d'attente. On va prendre Pacha. On va aller l'améliorer. Au bout d'un certain moment, vous allez pouvoir remarquer que votre familier va peut-être vous demander. Voilà, amène. J'ai trop mangé, amène-moi combattre. Alors, c'est parti pour cette partie-là, du coup. Donc quand votre familier va vous demander de combattre, vous allez faire comme moi. Vous allez le prendre et vous allez l'emmener dans un donjon comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez faire juste le premier niveau. Désolé, la vidéo va durer 5 minutes, j'espère que ce sera pas trop long pour vous.
Non, c'est juste pour que vous puissiez voir de manière transparente, sans coupure, comment les glitches fonctionnent. Et comme ça, vous puissiez voir et bah, que ça marche réellement et qu'il n'y a pas de trucage. Donc maintenant que le niveau est terminé, vous passez par le portail, vous prenez votre bonus comme bon vous semble. De toute manière, le but de cette game ne sera pas d'être terminé. On retourne dans nouveau jeu, encore une fois. On garde notre familier. On prend un perso n'importe lequel. On revient ici. Et vous allez voir que du coup, si ça a bien fonctionné, je peux renourrir mon familier. Et ce, comme ceci. Comme ça, je peux continuer de le maxer. Vous faites cette rotation tout le temps. Dès que votre familier va vous demander d'aller combattre, vous allez combattre, vous faites le premier niveau et vous revenez. Ça va vous permettre de tout simplement l'upgrade de manière facile et simple et de débloquer leur power-up lié à ces derniers. Pour ceux qui voudraient se demander tout simplement comment avoir le mini Tengu, vous attendez, il va vous demander tout simplement de précommander un autre jeu de Chili Home, donc du même secteur de développement. Et dans les récompenses, des fois, il peut passer. Alors, il me semble qu'il est passé deux fois actuellement dans tout le jeu. Beaucoup de personnes ont réussi à l'avoir. Mais c'est vrai que pour le coup, là, je viens de lire la fiche de stats. Et c'est vrai qu'il est pas mal du tout comme familier. D'ailleurs, il y a un nouveau familier qui est arrivé. Tout simplement, donc... On a le marchand qui est là. Et on peut voir juste ici, il y a un chat. Donc... familier piment. Donc ça a l'air d'être un énorme chat. Hop, voilà. Je l'ai pas encore parce que la page elle bug encore un peu. Donc, je peux pas l'avoir. Mais si on lit sa fiche de stats, ça nous dira qu'en gros, avec son power up de débloquer, il peut créer une onde de choc au sol et repousser les ennemis. Bref, un power-up assez sympathique. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas, du coup, comme je le disais en début de vidéo, vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis ciao, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Peace.